challenge, enfin bon, je sais pas comment on peut appeler ça, mais comme vous l'avez vu dans le titre, alors il existe bien sûr le 3 Maker Challenge. Et nous on a dit qu'on allait faire le Maker Slime. On va faire du slime, oui, avec des marqueurs, plus précisément quoi? Des stabilos, du coup des surligneurs. Des stabilos fluo, donc ce sera du slime super fluo, j'espère. On n'a pas testé encore, j'espère que ça va fonctionner. Ouais. Eh bien, on passe au tuto. Oui. Oui. Tuto. Ouais. Oui. Oui. On va y arriver. Oui. On va faire du slime avec des feutres. Oui. Ouais. Ok. Bon bah c'est parti les loulous. Pour réaliser ce slime, on aura besoin de quoi les loulous? De colle. Cléopâtre. Transparente. De stabilo. Bah, on a pris des fluos, nous. Moi j'ai pris du rose quand on est jeune. Bah de borax. Voilà. De solution pour lentilles. Comme toujours. Et de l'eau. Et c'est tout? Oui. Oui, et bien sûr d'un bol. Bon, au niveau des ustensiles, ou une fourchette ou une cuillère et oui, une cuillère à soupe. Ok, bon bah on s'est. Let's go alors? Oui. Alors bah allez-y. Hein. Let's go. Let's quoi? Let's go. Let's go. Let's go. Allez, bah vas-y, je te dirai pas. Stop. Stop. Tu peux mettre au milieu, hein, ça va couler long sinon. Bon, faut mettre au milieu. Non. Alors on en met bien quand même, on va pas remplir le saladier non plus. Je pense que c'est bon. Sinon ça sentira. C'est bon. Vas-y, remplis, remplis. Ça sentira l'autre bout de la maison. Ça sentira trop bon, ça sent trop bon. Ce sont des gis. D'accord. Bon, c'est bon, je pense. Bah, Corentin, tu peux mettre la même quantité que ta soeur? Bah, moi, tu me dis stop, hein, parce que. Bah, je vois pas trop, moi, d'ici, hein. Ah oui, c'est une fois. Spot. Ça y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, donc? De l'eau, 4 cuillères à soupe d'eau. 4 ou 3? Bon, je sais pas, mais deux sont déjà 3, on verra 4 après. Ce serait mieux que tu rapproches le bol de ton saladier. Ouais. C'est un homme à la place. Ça, c'est bien une cuillère. J'ai dit. Si, c'est bon. Une. Ça va faire bizarre à l'école. 2. Et une troisième. 3. Ouais, c'est bon. Tiens. Et maintenant, je rajoute le stabilo. Non, pour le moment, on va remuer peut-être pour avec la colle. Hein? Ça fait bizarre. 2. Et encore une troisième. 3. C'est bon. Et maintenant, on mange à la fourchette. Non, on préfère la fourchette. Ouais, c'est mieux les fourchettes, moi, je trouve. Ça fait bizarre, il n'y a plus de colle. Il n'y a plus trop de colle du coup. Ah, ça n'est plus liquide. Alors maintenant, il va falloir rajouter quoi à l'intérieur? Le stabilo. Le stabilo, mais on va mettre le stabilo comme ça dedans? Non, l'encre. L'encre. Alors comment on fait pour récupérer de l'encre de stabilo? Il va falloir le couper. D'abord, vous ouvrez également. Bah ouais, ça c'est logique. Ouais, plutôt logique. Et en fait, c'est ça qui va colorer le slime, en fait, les filles. En fait, c'est nouveau colorant. C'est pour ça qu'on n'a pas pris du colorant. Tout à fait. Moi, je déchire tout. Donc là, il va falloir, en fait, couper le stabilo en deux. Donc ça, c'est bien sûr les grands qui le font. Pas les enfants. Il faut toujours faire ça avec un papa, une maman, un tonton, une tata, un grand frère, un grand frère, très grand frère, une grande soeur, très grande soeur, une nounou, oui. Une maîtresse, voilà. T'as une maîtresse avec... même. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc il faut faire ça avec un adulte. Donc nous, on va récupérer les feutres. Ouais, parce que sinon ça peut colorer les mains. Je vais les couper en deux et on va récupérer l'encre à l'intérieur, d'accord? Ou alors on ouvre carrément et après on fait comme ça. Ouais, non, ça va être plus compliqué là. Ah. Les amis, on a coupé les stabilos en deux. On a, voilà, donc il reste plus rien.
Et ça, on va récupérer à l'intérieur en fait l'encre. Donc tu montres au copain, à l'intérieur il y a un espèce de petit tube. C'est ça qui remplit l'encre. Et ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ben on va presser le plastique qu'il y a ici autour. Et après l'encre ben, elle va couler. Ok, bon bah allez-y, alors faites-le. Dedans. Quel plastique on presse? Ce qu'il y a autour, tu vas voir de l'encre. Avec ça ou ça? Oh, j'ai marqué sur la table. Ça l'a écrit sur la table, bien sûr. Non, droit, mets-le bien droit. Bien droit. Voilà. Voilà, tu vois? Oui, effectivement. Non, c'est Anne, il faut l'enlever en fait. Voilà. Et là, vous allez voir, tire toute l'encre qu'il y a à l'intérieur du stabilo en fait. C'est un feutre qui est imbibé d'encre. Bon, bien sûr, on s'en met plein les doigts, mais on s'y aura jamais. Oh, jamais. C'est pas grave. Bon, il va être bien flashy. Hein. Lequel? Corentin, même le tien. Hein. Oh là là. Ah, il est battu sur mes doigts. Merde, je suis une rose. Je vais bientôt revenir. Devenir une fleur. Ah, on passe bien jusqu'à ce qu'il y ait plus de liquide à l'intérieur. On a tout vidé à l'intérieur, on s'est lavé les mains, on a mis plein les mains. Alors maintenant, il est temps de... Oui. Doucement, c'est Anna. Non, c'est la bande à l'ingrédient, après il y a ça qui a tout formé. C'est ça. Oh, c'est vachement fluo. C'est trop beau. C'est vachement fluo le truc. C'est méga fluo. Oh, t'as ouais, c'est du jaune. Ils sont trop beaux. C'est bon, c'est bien mélangé? Pas encore. Oh bah, moi si c'est pas scellé. Moi si c'est pas scellé. Je pense que c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Le Dorax. Je pense qu'on peut commencer par deux pipettes entières. Ouais. Et puis après, on va mélanger. Ouais, parce que c'est pour éviter de colorer les mains. Ouais, on va bien en mettre parce qu'on a mis. Ouais. Donc on met deux pipettes pour le moment. On remue et après on verra si on rajoute ou pas. D'accord? Alors normalement, du premier coup, tu sens des impressions, mais après on verra si ça se forme en entier. Voilà. Voilà, regardez, premières impressions, c'est bien. Ça a l'air d'être bien. Ouais. Peut-être... Celui de ça, il est ultra rose quoi. Et il est rose flashy. Le bal, il est tout rose. Je dirais qu'on peut en mettre une troisième parce que c'est ouais, pas regardez, bien. Ça, ouais, c'est pas très bien. On dirait une crotte de nez, bien. Oh, ça se décolle un peu. Ça se décolle un peu, regardez-moi. Ah ouais, déjà. Bon, vous pouvez mettre une troisième, je crois. Ouais, pas nickel. Vas-y, remis. Ah, c'est vrai, mais d'accord. C'est ce qu'il avait pas mis sa main dans le passe-moi. Ah, ça y est, Loulou, tu peux voir si ça colle à tes doigts ou pas? Si moi? Mais il y a encore du bois. Non. Bah, je crois que tu peux travailler à la main alors. Ça y est, c'est bon pour Océane. Corentin, faut que ça décolle vraiment tous les bords. Hein. Ça colle pas? Non. Ah, si, un peu. Bon, c'est parti, Loulou. Après, faut le travailler un petit peu aussi. Hein. Ah oui. Ah, il colle un peu. Tu peux rajouter encore un petit peu alors. Une pipette? Non, Corentin. Une pipette? La moitié? Ouais. Je vais travailler ça au petit d'un bol. Il y en a plein à l'intérieur du Borax. Sinon, ça colle pas trop. Hein. Regardez. On s'est lavé les mains avant également. Voilà. Oh, ça glisse. C'est bien, il prend tout de suite, hein? Quel? Le borax. Le slime, il a pris tout de suite, là. C'est bon? Ben, je pense que c'est bon, hein? Teste, hein? Le mien, je mets encore du borax. Non, vas-y, travaille. J'en mets sur mes mains ou pas du borax? Non, il n'y a pas besoin. Ou j'en ai mis par terre, du slime. Rigole! Ah! Ok. C'est bon, Lolo. Ça saute sur mon t-shirt. Toi, son petit chien et son arabe. Ça casse. Et j'en ai pas sur la scie, j'espère. T'en as entre les deux yeux. Ah, ouais. Ce qui sautait à l'échelle.
Oh bah je crois que c'est bon là. Qui? Bah toi, hein, ils n'ont plus qu'à travailler. Puis bah, je pense qu'on va encore le retravailler un peu avec les mains, puis on se retrouve juste après. Ça y est, le slime est terminé. Alors faites voir un peu à quoi ça ressemble. Alors qui me montre en premier? Corentin. Wow, il est vachement slimy. Oh. Maman. Moi qui n'aime normalement pas les slimes et que je préfère les fluffy, c'est bien. Mais c'est vrai que Corentin préfère les fluffy parce qu'il trouve qu'ils collent moins aux mains. Mais là, franchement, il a l'air trop bien. Et toi, Céane, tu montres un peu au copain? Tiens. Voilà le slime. Ils sont trop beaux. Comme ils sont fluo. Ils sont trop beaux. J'ai failli prendre du jaune. C'est mixé. C'est bon, Céane, t'as fait notre copain? Oh, c'est pas grave. Au début, c'était un slime tout petit, mais en fait, il est ultra étirable. On dirait de la pâte intelligente. Alors regardez les amis, le slime d'Océane qui est très très étirable en fait. Voilà. Oh. Encore plus que Corentin. Voici pour Océane, on va vous montrer celui de Corentin. Et celui de Corentin. Voilà, il s'étire vachement bien. Voilà, super slime. Ils sont vachement fluo en tous les cas. Moi, je vais faire un boudin. Alors moi, je dis que c'est validé. Bravo les loulous, vous avez bien réussi votre slime. Oui, oui, c'est le préféré. Il est trop beau. Et c'est le plus beau slime que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai qu'il est vraiment, vraiment beau. Il est vachement fluo. Et Corentin, d'ailleurs, il fait une super belle bulle avec. Hein. Il est bien étirable, loulou. Ah bon, regardez, je n'ai pas assez étirable, il y a un problème. Waouh, trop trop beau. Et Océane, qu'est-ce que tu fais toi? Des cookies? Oui, les petits cookies. Oh là là, attention, tu vas mettre sur ta tête dans 5 minutes. Alors les amis, ce slime est validé, réussi. Moi je trouve que c'est un des plus beaux qu'on ait fait sur la chaîne. Oh oui. Franchement, il est trop beau. Alors je sais pas si on pourrait rajouter des paillettes dedans, ça pourrait être sympa aussi. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres idées de slime. Moi des paillettes bleues avec des roses. Peut-être d'autres slimes avec des fluos, avec des feutres, je sais pas, des crayons de couleur. Pas des crayons de couleur, ça dit pas les crayons de couleur. Ben, je sais pas, on peut voir. Donc dites-nous tout dans les commentaires. Allez, aussi, les cookies. Quel est votre slime préféré? Voilà, des deux. Alors moi j'aime bien tous les deux. Ils sont tous les deux différents, mais moi, ils sont c'est tous super bien réussis. Ben, dites-nous dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin. Cette vidéo. Vous pouvez nous mettre dans les commentaires hashtag slime marqueur. Donc ça s'affiche là en bas. C'est pour faire quoi, Loulou, qu'on leur fait mettre ça dans les commentaires? Pour avoir une dédicace en fin de vidéo, c'est ça? Voilà, c'est pour avoir une petite dédicace dans une prochaine vidéo. On fera un tirage au sort avec les gens qui ont répondu avec le hashtag. Par contre, la petite vidéo est terminée. On va vous laisser. On espère que ça vous a plu. Si c'est pas déjà fait, une belle. Abonnez-vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on va dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Et tenez un cookies, le plus gros.